Docteur Élie Buzyn, bonjour. Bonjour. Votre parole est précieuse pour au moins deux raisons. D'abord, vous êtes un des derniers survivants de la Shoah et vous êtes un des rares adolescents qui a survécu à la déportation. Vous êtes docteur, vous êtes chirurgien orthopédique et vous avez également écrit une autobiographie, « J'avais 15 ans, vivre, survivre, revivre », une très belle autobiographie qui retrace votre existence avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, comment vous avez construit votre famille après ces événements difficiles. Élie Buzyn, comment en êtes-vous arrivé à parler de cette sombre période alors que vous avez gardé très longtemps le silence? Comment je suis arrivé? Il est vrai que j'étais un de ceux-là qui était opposé d'une façon consciente de ne pas trop parler, surtout à nos enfants qui étaient jeunes, de ne pas leur parler de notre passé et de notre vécu. Et j'étais en désaccord avec mes camarades de déportation qui ne pensaient pas la même chose. Ils me disaient, mais si ta fille, qui a 5-6 ans, te demande où sont tes parents, et qu'est-ce que tu leur réponds? J'ai dit, à 5-6 ans, tu lui réponds pas, en tout cas pas la vérité. Tu détournes la question, tu la remets à plus tard et tout ça. Et j'avoue que j'étais critiqué par cette réponse parce que je ne voulais pas dire la vérité. Mais certains de mes camarades ne m'ont pas écouté. Ils ont pris leur petit enfant de 6 ans, assis sur les genoux. Et quand ils demandaient où sont tes parents, je vais te raconter comment mes parents, c'est-à-dire tes grands-parents, comment ils ont été assassinés, comment ils sont morts, etc., avec tous les détails qu'ils pouvaient donner. Et j'estimais, je leur disais, c'est comme si vous preniez une seringue avec votre souffrance que vous avez endurée pendant toutes ces années et que vous l'injectez à votre propre enfant en direct. Et j'étais contre. Et je ne l'ai pas fait. Mes enfants ont été préservés, encore qu'il y avait un silence qui était un petit peu critiquable en partie, parce que les enfants savaient quelque chose, parce qu'ils avaient d'autres enseignements. Parfois, ils m'entendaient parler avec mes camarades aussi, ils écoutaient tout ça. Mais ils n'osaient pas me poser des questions pour ne pas me faire souffrir. Comprenez? Donc, il y avait un double silence de protection, nous, nos enfants, et nos enfants pour nous protéger, nous. Et c'est votre fils, je crois, à 23 ans. Alors, chez moi, quand ils étaient jeunes, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, je ne leur ai pas parlé beaucoup. Mais à partir de 15 ans, ils commençaient à savoir un petit peu mon passé, pas d'une façon didactique comme dans le livre, mais enfin, ils commençaient à savoir. Et c'est là que notre fils, grâce à lui, je suis retourné parce que moi, chez moi, on savait que je ne retournerai jamais ni en Pologne, ni en Allemagne, parce que j'estimais que l'Europe de l'Est était imprégnée, le sol était imprégné du sang et des cendres de tous les nôtres et que je ne me sentais pas capable de remarcher sur ce sol. Et j'ai dit, je retourne jamais. Et le fils avait bien noté ça. Il a attendu sa majorité à l'époque, qui était à 21 ans, en me disant, j'ai décidé, moi, d'aller. Je sais que tu ne veux pas y aller, mais moi, j'ai décidé d'y aller pour voir où mes grands-parents, que je n'ai jamais connus, ont disparu. Alors, ça a commencé par une engueulade assez sévère. J'ai dit, tu ne parles pas de disparition. Ils n'ont pas disparu. Ils existent toujours dans nos têtes et dans nos cœurs. Ils n'ont pas disparu, mais si tu veux savoir où ils ont été assassinés sauvagement à Birkenau, tu n'as qu'à y aller. Et en disant tu n'as qu'à y aller, j'ai dit non, Roger Red, si quelqu'un doit t'accompagner là-bas, je vais t'accompagner. Et c'est comme ça qu'il a eu gain de cause parce qu'il voulait cela. Il voulait que j'aille avec lui là-bas. D'accord. Et vous expliquez également dans votre livre que ce qui vous a poussé à parler, c'est aussi la disparition des derniers survivants
Et le fait que vous avez écrit une très belle phrase, vous dites que si on ne se rappelle pas de l'histoire, de ce qui s'est passé dans l'histoire, l'histoire peut se répéter. Absolument. Absolument. C'est ce que vous dites. Et j'ai pris conscience quand on est parti. D'ailleurs, je peux vous dire que je travaillais à l'époque encore, j'étais très occupé. Et en plus, je ne me sentais pas capable, ni physiquement, ni psychologiquement, de retourner tout seul avec lui. Et donc, j'ai pris quelques camarades à moi qui étaient déportés, nous avons pris nos grands enfants, et on est parti à 7 comme ça. On a loué un minibus. Et on a sillonné toute la Pologne pour voir tous les autres camps, pas seulement Birkenau-Auschwitz, mais voir aussi les autres camps d'extermination qu'on ne connaissait pas, Sobibor, Majdanek, Treblinka, et j'en passe. Et puis donc, en plus, on a vu nos villes respectives aussi. Et ça a pris 6 jours, et 6 nuits, et on est revenu, et j'étais vraiment extrêmement... et impressionné par ce voyage qui était très négatif. Je suis rentré très déprimé de cela parce qu'on a été mal reçu, mal accepté. Vraiment, c'était pénible et douloureux, franchement. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous voulez reprendre vos appartements? Nous, on n'était pas là. Il n'y avait pas un Polonais qui était là-bas, sur place, avant 1945. Ils sont tous arrivés après 1945. Et depuis, vous avez fait de très nombreux voyages. Vous avez... Alors donc, j'ai décidé, je fais ce voyage, c'est fini, mais vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc, quand les enfants sont arrivés à 15 ans, j'ai décidé de les emmener, c'est comme ça. Je suis retourné avec un autre, etc. Et puis ensuite, par hasard, comme je vous l'ai dit, je me suis aussi engagé de faire un voyage avec Chaim Korsia, qui est maintenant un autre grand rabbin de France, et faire un voyage par an, pour moi, c'est une obligation, la première, de rendre visite, rendre hommage, comme on le fait à la veille du Kippour. On va au cimetière. Là, on n'a pas de cimetière, mais on sait au moins l'endroit où ils ont été sauvagement assassinés. Et je vais là-bas une fois par an pour leur rendre hommage à tous les miens. Et en même temps, j'accompagne un groupe pour qu'eux aussi rendent hommage, pour qu'ils viennent voir ce qui s'est passé et qu'ils rendent hommage à tous nos proches qui ont été sauvagement assassinés là-bas. Le 29 novembre 2018, comme chaque année, Élie Buzyn a participé à un voyage à Auschwitz organisé par le grand rabbin de France. Ce voyage réunissait notamment des représentants du monde religieux, catholiques, protestants et musulmans. En voici le reportage. C'est le 15e voyage que j'organise avec des groupes composés en majorité de jeunes qui viennent d'écoles militaires, l'école des pupilles de l'art de Grenoble, des civils, des gens de l'administration, des gens de l'entreprise, de l'aviation, de tout. Et ça crée une alchimie unique à chaque voyage. En fait, c'est comme s'il y avait... d'un côté, l'inhumanité d'Auschwitz, que les gens subissaient, qui les percutaient. Et puis, en face, la seule réponse, c'est une forme de fraternité renouvelée, réengagée. This is the only surviving synagogue in this town. Cette synagogue est la seule survivante de la ville d'Oswiecim. C'est son nom polonais, mais elle est bien sûr plus connue sous son nom allemand, Auschwitz, qui désigne à la fois le camp et la ville. Mais également, avant la guerre, elle possédait un nom juif, Auschpitzin, car la population juive y était prédominante. Près de 60% de cette ville, Oswiecim, Auschwitz ou Auschpitzin, était juive. On y comptait plusieurs synagogues, et celle-ci, qui se nomme Chevalomdei Mishnayot, est la seule qui ne fut pas totalement détruite pendant l'Holocauste. Sa mise en place remonte à 1915 et servit jusqu'au début de la guerre, lors de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Puis elle fut un dépôt de munitions pour l'armée allemande. Et après la guerre, elle fut de nouveau une synagogue à l'initiative de survivants.
Avant la guerre, le nombre d'habitants d'Auschwitz s'élevait à 12 000, dont 8 000 étaient juifs. Les survivants qui revinrent ici après la guerre furent au nombre de 180. Les années qui suivirent, la plupart quittèrent la ville et la synagogue fut retransformée en magasin de tapis, nationalisée par le gouvernement communiste. Et c'est il y a seulement 20 ans que la ville fut redonnée à la communauté juive polonaise. Et grâce à une fondation qui la rénova entièrement, la synagogue a pu reprendre ses fonctions sur la commune d'Auschwitz. Adonai Eloheinu Vezot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Yisrael Al Pi Adonai Beyad Moshe Al Pi Adonai Beyad Moshe Torat Emet Natan Lanu Torat Emet Natan Lanu Torat Emet Natan Lanu Baruch Hashem Baruch Amanu Baruch Hu Et Formidable. Amen. Gadav, Vikadash, Merabah, Vialma, Tibera, Kirote, Vyamir, Malchute, Bechayechon, Uyomechon, Ufraye Dechol, Met Israël, Bagala, Bizman, Karib, Vemo, Amen. Yeshu, Merabah, Mebarah, Miala, Meal, Meal, Maya, Idbarah, Vishtabar, Vipahar, Vitrouma, Midnase, Ce pays, terre de Pologne, est marqué par tous les tourments de l'histoire. Et il y a ici Auschwitz, il y a Majdanek, Treblinka, Sobibor. Ce sont des lieux qui appartiennent à notre histoire européenne. Ce sont des lieux qui sont très chers aux Français, parce que beaucoup de nos compatriotes ont été déportés et ont été exterminés ici. Et donc, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je participe à ce type de voyage. Et pour moi, c'est toujours d'abord une descente vers l'horreur, les abîmes de l'humanité, parce que l'on vienne ici pour la première fois ou que ce soit la centième fois, c'est toujours la sidération, l'indicible. Et puis en même temps, j'ai toujours l'impression qu'on ressort d'une telle journée, d'un tel voyage, encore plus fort. Pour que ça ne se reproduise plus jamais, il faut être fort dans les valeurs de la République, dans les valeurs de solidarité, et également, bien sûr, comment ne pas aussi délivrer un message européen, parce que l'Europe, telle qu'on l'a construite, est d'abord un enfant de ces horreurs. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ces temps plus sombres, vous voyez à tout ce à quoi je peux faire allusion, je crois que c'est important de venir ici et d'en repartir imprégné de cette histoire et d'une force encore plus grande pour l'avenir.
il y avait un orchestre qui nous jouait pour qu'on marche bien et vite pour aller au travail. C'était toujours la même chose. Il y avait des cris, il y avait des SS avec leurs chiens, avec leurs cravaches, avec leurs mitraillettes, avec des exécutions sommaires pour un rien. Et ce climat de violence faisait que les gens étaient totalement paralysés. Ils ne savaient pas ce qui se passe, ils ne savaient pas ce qu'on va faire. Et en plus, dans ce climat de violence, on ne pouvait pas réagir. Et c'était... Si les gens savaient ce qui se passe, ils auraient pris des dispositions pour s'opposer ou pour s'enfuir ou pour s'évader, peu importe, mais comme ils ne savaient pas. Puis on est accompagné par Elie Buzyn, qui est une sorte de lien entre tout son passé et ce qu'on vit aujourd'hui. Si vous voulez, c'est différent quand un guide vous dit voilà le bloc 17 et quand Elie vous dit dans ce bloc, le bloc 17, on a volé mes chaussures. Ce qui à Auschwitz en hiver voulait dire la mort. Et quand il nous raconte ça, il nous accompagne sur les pas de sa route et je crois qu'il nous donne malgré tout à espérer. Il y aurait besoin que tout le monde, dans une société, vienne voir, percevoir ce qui est perceptible, par exemple, dans un alignement d'uniformes, comme si les prisonniers étaient encore là, dans une présence-absence, et pour nous dire qu'est-ce qu'on fait pour protéger leur mémoire, qu'est-ce qu'on fait réellement pour empêcher que ce monde qui les a écrasés ait toujours des réminiscences permanentes. Qu'est-ce qu'on fait pour changer le monde et qu'est-ce qu'on fait pour rejeter ce modèle d'inhumanité. Et Elie Buzyn est dans une logique de transmission hors norme. Entendre les témoins, c'est devenir soi-même un témoin. Alors, bien sûr, il y a 75 ans, 80 ans, et on est loin. Mais en entendant Elie nous accompagner et nous parler, ben, on devient nous-mêmes des témoins avec la charge pour nous, quel que soit notre âge, de retransmettre. Que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs de divers pays d'Europe, soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Tout peut commencer. Par contre, si on garde la mémoire et on sait que il y a des moments dangereux contre lesquels il faut combattre, il faut l'avoir en tête. Voilà, donc je vais terminer par là, parce que je suis un peu trop ému pour en parler trop. Je crois qu'être là, c'est prendre l'engagement chacun et chacune à sa manière, dans ce qu'on fait, dans notre vie, de ne jamais détourner les yeux, de regarder, de se sentir responsable, et de ne jamais être indifférent à la souffrance des autres. Je vous propose de faire un petit psaume simple, qui est le psaume qu'on appelle en hébreu le psaume des profondeurs, Mima Makim. Je vais le faire en hébreu, et puis ensuite Ismaël parlera au nom de l'islam, puis le pasteur et le padré, et je crois que les deux finiront, chacun dans leur prise de parole comme ils l'entendent, mais ils finiront par un autre père qui permet à chacun et à chacune, dans sa foi, d'exprimer quelque chose qui nous dépasse, qui nous enferme pas dans l'impossibilité de ressortir de la violence de ce qu'on a perçu ou compris ou ressenti. Shira Malot, Mima Makim, Kiratira Adonai, Adonai Shima Bekolitina Rakajot Lekol, Tachanunai, Imravonot, Tishmoria, Adonai, Miyamod, Kimerazel Raleman, Tivari Kivitiana Kivitanafji, Vivaro, Khaltinafji, la Naim Shamim, la Boker, Shomrim, la Boker, Yachel Israel, Anakina, Reset Verbim, Ofudut, Voyez Israël Mikol,
أبنتاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Quand je repense à cette journée, je repense aux paroles du prophète Ésaïe dans le Premier Testament. Une parole qui semblait absurde pour un peuple qui était déjà en déportation à l'époque. Console mon peuple, tranquillise-le. Et une jeune fille du nom de Hetty Elysium, qui avait à peine 28 ans, était dans un de ces wagons qui l'emmenait à Auschwitz. Et elle écrira sur une petite carte « Mon Dieu, ma haute chambre, ma retraite, mon consolateur ». Pour elle, c'était des paroles comme un arc-en-ciel au milieu de l'enfer. Cet enfer ici, comme disait Jacques Maritain, cette blessure du néant. Aujourd'hui, nous nous souvenons, nous réfléchissons, nous prions, nous transmettons pour que la paix dans ce monde et en Europe reste, pour que nous soyons des défricheurs d'espérance et de paix, là où nous sommes, à nos manières, les uns et les autres. Et j'ai envie de dire simplement cette parole encore d'un psaume. Mon âme soupire après toi, mon Dieu, comme une biche soupire après l'eau d'un courant d'eau. Oui, mon âme soupire après toi. Amen. Peu nombreux ici ou là, mais partout présents, souvent dédaignés, mais dédaignant aussi les autres. Ancêtres spirituels des églises chrétiennes, ce peuple était garant d'ancienneté et d'authenticité, pérennisant la présence du Christ parmi les chrétiens. Aujourd'hui, l'Europe, où les Juifs sont bien moins nombreux que naguère, est privée d'une partie d'elle-même. Du témoignage de Elie Buzyn, beaucoup de choses m'ont frappé, en particulier le fait que ce qui vous a fait tenir, Monsieur Buzyn, c'est une parole de votre mère qui vous a dit « Quoi qu'il arrive, tu dois vivre ». Eh bien, c'est un appel pour chacun de nous de trouver, de retenir une parole, un visage de nos parents, d'un ami, d'une parole biblique ou autre, qui nous permet de nourrir notre liberté intérieure. Et un appel aussi à sortir. Aujourd'hui, nous sommes sortis tous pour rencontrer d'autres que nous ne connaissions pas. Et bien, continuons à sortir et à sortir en particulier de nos réseaux. C'est ce que ne cesse de nous dire le pape François, sortez. Sortez de vos réseaux, sortez de vos peurs, sortez de votre paresse. Et les ressources que nous avons en nous peuvent nous aider à sortir de cela. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne permets pas de rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. J'avais un ami, il était insupportable, il était merveilleux. Il se nommait Claude Lanzmann. Je disais toujours à Claude combien j'étais étonné qu'il y a 40 ans, quand il avait commencé le travail, les travaux de Shoah, alors que les témoins étaient encore vivants, les bourreaux autant que les victimes qu'il est allé chercher, j'étais étonné de cette incuriosité. Je lui disais, il suffit d'un seul. À ce moment-là, il a été le seul à pointer sa caméra vers ceux qui pouvaient encore parler, et notamment les quatre survivants des Sonderkommando qui apparaissent dans Shoah. Il était particulièrement attaché à Philippe Müller. Alors je voulais dire simplement ça. Claude, je suis venu.
גדל ויתקדם שמי רבה. אמן. ועלמה דבר החירותי ואמיר מרותי, וחייכון ומכון ותלכון בתחל, והגלה ומנקרי ואמן. אמן. יהיה שמי רבה וברך תעלה מעלמל מעיל ברר, וישתבר ותבר ותרומה ותעשה ותדר ותגלל, שמדק ג'מל, תדעה מכל מבטן שראתה לפעולה ומתה, jusqu'à maintenant, Auschwitz, c'était des mots écrits sur un cahier d'histoire, c'était des photos dans des livres. Maintenant, ça a pris un autre sens. Maintenant, c'est un lieu et c'est un endroit où on a vu des millions d'âmes qui couraient sur ces terrains, travailler jusqu'à en mourir. C'est là qu'on voit l'importance du devoir de mémoire pour justement ne pas permettre qu'une telle chose se reproduise. C'est une nouvelle génération, donc au final, qui seront les témoins de cet événement tragique qu'est la Shoah. Et donc l'idée, c'est de pouvoir être présent et de voir en fait à travers ces visites, cette journée, à quel point aussi ils sont très intéressés, touchés, et j'ai envie de dire aujourd'hui, afin de devenir des ambassadeurs de la paix. Vous êtes né à Lodz, en Pologne, en 1929. Alors, le début de votre enfance se passe plutôt bien. Vous dites dans votre livre que vous avez eu un début d'enfance assez heureuse. Pouvez-vous nous en parler? J'avais la chance, vraiment. Et remarquez, je ne suis pas tout seul. Il faut vous dire que la majorité d'adolescents orphelins qui ont survécu à Buchenwald, à la libération au mois d'avril 1945, nous étions 900, c'est quand même un chiffre important, d'adolescents entre 15, 16, 17 ans. Et puis, il y avait quand même trois enfants des 10 ans qui sont rentrés en fraude dans le camp, qui ont survécu. Et donc, tous ces jeunes ont eu quelque chose de particulier, c'est qu'ils étaient issus de familles très diverses, d'accord, de niveau social un petit peu différent. Mais on a tous eu une enfance heureuse. Et je pense que c'est une chose extrêmement importante pour notre rentrée dans la vie, survivre et de revivre plus tard. Après cette enfance heureuse, malheureusement, il y a le ghetto de Lodz. Oui. Et on vous transporte de chez vous dans le ghetto de Lodz. Et là, il y a un événement terrible, et je m'excuse de vous le rappeler, c'est votre frère qui est fusillé par les nazis. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode? Oui, je peux revenir sur le frère, non. Donc, j'avais une enfance très heureuse. J'étais le plus jeune, le troisième. Et j'avais une sœur aînée de 6 ans et un frère de 11 ans. Et 11 ans, c'est beaucoup à cette époque. Et j'étais très lié à mon frère aussi. Il était très sioniste, il devait partir en Palestine avant la guerre encore. Avant la Deuxième Guerre. Et il se trouve que mon père estimait que ce n'était pas la bonne chose et qu'il avait besoin de lui parce qu'il avait fait des études d'expertise comptable, qui ne l'intéressaient pas du tout d'ailleurs.
Eh bien, il est parti en Archara, dans le sud de la Pologne. Mon père est allé le chercher là-bas pour lui dire qu'il n'est pas d'accord qu'il s'en aille parce qu'il a besoin de lui. D'autre part, sa mère est très affectée par son départ et qu'elle est souffrante. Et quand il a appris que sa mère était souffrante, il est rentré. Et 2 ans après, il a été fusillé par les Allemands. Et malheureusement, mon père s'est reproché ses décès en disant que c'est à cause de lui que son fils est mort, son fils aîné était mort. Et s'il n'était pas allé le chercher là-bas, il serait en Palestine. Et c'est vrai, ses camarades, je les ai vus, moi, en Israël. Ils m'ont raconté des choses de mon frère que je ne connaissais pas. Et cette première déportation où on nous a chassés de chez nous au début 40 pour nous mettre dans le ghetto de Lodz, c'est un quartier déshérité, épouvantable de la ville, où on a fait un camp de travail pour le Troisième Reich. Il fallait travailler pour l'armée allemande, etc. Vous avez 11 ans quand vous travaillez dans ce camp. Absolument, 11 ans. Mon frère est assassiné 11 ans. Mon père est très affecté parce qu'il ne s'y attendait pas du tout. Il pensait qu'Hitler ne fera jamais ce qu'il a dit, etc. Et vous savez, on nie. Comme maintenant, il y a beaucoup de gens ici, ils disent que les islamistes ne feront jamais ce qu'ils disent. Et quand ils pourront le faire, ils le feront. Croyez-moi. Et l'Iranien, il le fera s'il pourra. S'il est au pouvoir, c'est grave. Et on ne veut pas comprendre ça. Et tous répètent de la même manière. Je peux vous dire que nous, anciens déportés, on vit cela très, très mal. Parce qu'on se dit les choses ne changent pas. Elles peuvent chaque fois recommencer d'une manière un peu différente, mais chaque fois encore plus grave, parce que les moyens, si vous voulez, d'extermination sont de plus en plus forts et plus grands. Je parle de l'arme atomique, etc. En 1940, notre déportation de chez nous vers le camp de travail a été dramatique. Ma mère était très affectée par c'était son premier fils, son fils aîné, qu'elle adorait, etc. Et ma sœur qui est tombée malade aussi, qui était jeune, elle avait 6 ans de plus que moi, donc elle avait 17 ans. Elle a développé une maladie avec des convulsions, avec des vraiment extrêmement graves et pénibles. Et de sorte que j'étais le seul valide à 11 ans. Et je m'étais dit, sans me dire que j'étais adulte, je m'étais dit, il faut que je me comporte de telle manière pour qu'on puisse survivre tous les quatre. Et vous célébrez votre bar mitzvah en 1942. Oui, en 1942, j'ai fait ma bar mitzvah. Et c'était une occasion, d'ailleurs, pour mes parents, le fait que j'accède à l'âge adulte, comme on dit, à la bar mitzvah, que mon père est sorti de sa torpeur, de sa dépression, et qu'il a essayé de me préparer pour que je puisse apprendre ma paracha, etc. Il y avait des synagogues, des shtibles, comme on appelle, clandestines, dans le camp, où on arrivait à réunir 10 personnes, un minyan, pour faire la bar mitzvah. Et c'est ce que j'ai pu profiter grâce à mon père qui est sorti de sa torpeur en 1942 pour essayer vraiment de me permettre d'avoir cédé. Et ma mère aussi, elle m'a brodé un petit sac avec mes initiales, avec un Magen David, et tout, comme on fait toujours pour mettre les téfilines. Mon père a trouvé une paire de téfilines et tout. Et donc j'ai fait ma bar mitzvah et je l'ai dit, je crois, dans le livre. C'était très important pour moi parce que c'est là que ma mère m'a expliqué les choses. Elle a eu une phrase très importante. Vous devez tout faire. Ouais. C'est la phrase de ma résistance. Parce que quand on vous demande comment vous avez fait pour résister, j'ai dit que j'ai résisté grâce à la phrase de ma mère qui m'a dit « Tu dois vivre, tu dois survivre, tu dois tout faire pour essayer de retrouver notre famille ». Elle avait 2 frères en France. Mon père avait un frère à Tours. Vous parlez beaucoup de votre mère, d'ailleurs, dans le livre. Vous dites que votre mère était le centre de votre univers. Elle a joué un rôle très important. C'était une femme très généreuse. Vous en parlez également beaucoup dans votre livre. Oui, tout à fait. Grande générosité. Elle aussi, c'est elle qui m'a
ouvert au monde la tête de donner que le rôle de gens qui peuvent donner doivent donner. Alors, en 1944, vous êtes déporté avec toute votre famille. Alors, je dois vous dire, d'abord, en 1944, il y avait deux périodes dans ce camp. Il y avait 40-42, et ensuite de 42 à 44. C'était deux périodes extrêmement différentes. Il y avait une chose importante, c'est que dans ce camp, la cellule familiale était respectée, c'est-à-dire que les gens étaient en famille. Et en plus, les gens qui ne travaillaient pas avaient droit à quelque chose, moins que ceux qui travaillaient, mais ils avaient droit à une carte d'alimentation avec une ration alimentaire inférieure à celle des gens qui travaillaient, mais ils avaient le droit à quelque chose, donc on arrivait à survivre malgré les conditions épouvantables. Et en 1942, ces taux d'improductifs, ce qu'appelaient les nazis, étaient de plus en plus importants et ils ont décidé d'éliminer tous les gens improductifs, c'est-à-dire tous ceux qui ne pouvaient pas travailler. Et c'était les enfants jusqu'à 10 ans et tous les adultes qui étaient âgés, handicapés ou malades, etc. Donc ça fait beaucoup de choses. Et on a eu 15 000 enfants qui ont été assassinés comme ça, des moins de 10 ans. Et cette période est importante parce que à l'automne 42, où j'avais justement 13 ans, j'avais jusqu'au début de l'année, j'ai eu ma bar mitzvah, eh bien, moi, on m'a demandé mon âge, j'avais 13 ans, on dit, tu restes ici pour travailler. Et mes parents, qui avaient l'air âgés, ont dit, sorti dehors. Et ma sœur, je savais qu'elle était malade, si elle faisait une crise en bas, j'ai dit, tu ne te sens pas, tu te caches, et espérons qu'on ne la trouvera pas. Et mes parents ont été sortis et moi, je ne voulais pas les quitter. Je me suis dit, je vais partir avec eux. Et ma sœur qui était là-haut, j'étais déchiré un peu. Et j'ai sorti quand même, je suis arrivé à les sortir du camion pour les rentrer dans l'immeuble. Et le nazi qui était là, qui gardait le camion, regardait ailleurs. Ça a pris 30 secondes. Et c'est comme ça, ma sœur n'a pas été retrouvée sur le lit, on est restés tous les quatre. Seulement, eux, ils n'existaient plus, illégaux, et j'étais le seul légal là-dedans. Et puisque je travaillais, j'avais une carte, donc il fallait survivre tous les quatre avec ma carte d'alimentation, etc. Et on s'est débrouillé à survivre comme ça. Et en 1944, les nazis ont décidé de liquider le camp. Pourquoi? Les Russes se rapprochaient par l'Est et donc ils ne voulaient pas laisser de traces, liquider. Et c'est comme ça qu'on a été déporté. Dans des wagons à bestiaux. Des wagons à bestiaux dans des conditions épouvantables en août 1944 pour arriver en fait pas en Allemagne, mais arriver à Birkenau-Auschwitz où il y avait la sélection, où mes parents sont allés à gauche tout de suite. Et moi, je suis allé à droite parce que j'ai menti sur mon âge. Vous avez survécu grâce à un mensonge sur votre âge. Parce que deux déportés, même trois déportés, sont approchés de moi discrètement en me disant un en yiddish, l'autre en polonais, peu importe, en disant « dis que t'as 17 ans, dis que t'as 18 ans », sans savoir de quoi il s'agissait, parce que je ne connaissais pas l'existence de Birkenau-Auschwitz. On ne connaissait rien. Et quand il m'a demandé mon âge, je me suis souvenu ce qu'on m'a conseillé, j'ai 17 ans. Et grâce à ces mots-là, que le type m'a mis au travail après un coup de poing dans la poitrine, comme je ne suis pas tombé, il m'a mis au travail. Et vous voyez, c'est un mot comme ça a fait que je ne suis pas allé directement. Et c'est de l'autre côté au travail que j'ai appris l'existence de chambres à gaz et comment mes parents ont été assassiné, je peux vous dire, c'était intolérable. Malgré quatre années où j'ai travaillé, où j'ai fait des choses, d'apprendre la fin de mes parents comme ça, je voulais sortir pour les rejoindre là-bas. Et on m'a dit non, tu ne peux pas sortir d'abord. Et deuxièmement, si tu pouvais sortir, ils ne sont déjà plus là. Ils sont partis, on m'a montré la fumée pestilentielle qui se dégageait
des cheminées, des fours crématoires. Et c'est là que j'ai dit d'ailleurs que le peu de Dieu que j'avais, de par mon éducation, mes grands-parents, mes parents, etc., s'est envolé avec mes parents dans la fumée d'Auschwitz. Qu'est devenue votre sœur ? Ma sœur a survécu quand même. Curieusement, elle était très malade, mais enfin, quand même, elle a survécu. Et on l'a trouvée vivante dans un hôpital très malade, près de Bergen-Belsen. C'est mon oncle qui est allé la chercher là-bas. Et il l'a trouvée vivante. Et elle est venue en France aussi. Où nous pensions, en fait, que l'Europe de l'Est était complètement contaminée par le nazi allemand. D'accord ? Ouais. Et on pensait que l'Europe de l'Ouest était préservée. Mais quand on est arrivé en France et qu'on a vu qu'il y a eu Vigie, qu'il y a eu Veldiv en 1942, qu'il y a eu mes tantes et mes cousines germaines ont été déportées de France en 1942 et assassinées à Auschwitz, Gomonet, on s'est rendu compte que même l'Europe de l'Ouest a été contaminée par les virus nazis. Et on s'était dit qu'on ne devait pas vivre en Europe. Et vous êtes parti 7 ans en Palestine. Vous pouvez nous parler de la marche de la mort, puisque quand les nazis évacuent le camp, vous avez vécu une épreuve absolument terrible, oui, qui est la marche de la mort. Oui. Comment vous avez survécu ? Il faut rappeler, hein, c'est une marche très longue, moins 20 degrés de température, enfin c'est épouvantable. Comment on survit ? Vous savez, on survit comme on peut. Il faut savoir que l'organisme humain, l'homme, l'animal homme, si vous voulez, est capable de beaucoup de choses. Il peut s'habituer à un nombre de choses. C'est une question de détermination et de volonté en disant « tu veux m'assassiner, tu veux me faire mourir et moi je vais faire tout ce que je peux pour que tu ne réussisses pas ». C'est une forme de résistance, si vous voulez, même pas spirituelle qui est marquée, mais enfin quand même, c'est une forme de résistance très, très forte. Merci beaucoup, Élie Buzyn, pour ce très précieux témoignage. La chose qui est importante, c'est que je charge le jeune génération, le jeune. Les derniers, je suis intervenu dans un lycée à Versailles. Et moi, je suis intervenu, il y avait 8 classes de 3e. Ils étaient 200 et quelques, 250. Et je les ai chargés de devenir les témoins du témoin que je suis, puisque je vais disparaître sous peu. Et ils ont accepté ça. Et ça a été remarquable parce que je sens que ces jeunes comprennent cette importance de devenir les témoins que nous sommes. Bon dimanche et bonne semaine à vous toutes et à vous tous.